Quoi de neuf depuis ton dernier combat? Mon dernier combat, plein de choses. Plein de choses. Des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires, des nouvelles connexions. Très important pour le futur et pour l'année 2015. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois où tu n'as pas eu de combat? J'ai pas eu de combat. Entraînement très, très, très difficile. Et décompressage aussi, j'ai beaucoup décompressé, ça m'a fait du bien. Mais entraînement tous les jours, j'ai pas arrêté. Où est-ce que tu en es physiquement? Physiquement, je suis bien. Je pense que mes entraîneurs et mon préparateur physique peuvent en témoigner. Je suis bien, très très bien. Dans quel état d'esprit tu te trouves là, quelques jours d'un combat, d'un gros combat en Belgique? J'ai hâte. J'ai très hâte d'y être. Ça fait longtemps que j'ai pas combattu pour moi. Et je peux pas vivre sans combattre. Donc j'ai très très hâte d'y être. Ouais. T'as pas peur? Non, justement, je suis complètement dingue. J'ai envie de sauter dessus là, j'ai envie d'être sur le ring. J'ai trop envie d'y être. Très très hâte. Tu sais qu'il va être devant son public, donc dans une ambiance électrique. Je vais kiffer. Quel message tu as à faire passer à Yvan Gabu? Yvan Gabu, ouais. Je suis très heureux de combattre un tel champion. Champion mi-lourd de son pays, champion lourd léger de son pays. Moi, le petit champion du Critérium, le petit champion du dé, le finaliste du tournoi de France va combattre un champion de son pays. Que demande le peuple? C'est qui a tout qu'à gagner? C'est moi. Voilà. Juste là, j'ai déjà gagné. Came with nothing but thoughts from another planet. A heart that you never break and a dream that you can't imagine. I'm far from average, I doubt that you understand it. I put my pain in the paint and put it all on the canvas. Qu'est-ce que tu prévois? On prévoit d'avoir un combat très très dur. Parce que c'est pas n'importe qui. Et on a vraiment hâte d'y être. Okay. Voilà, donc j'ai des nouveaux sponsors. J'ai Dorilia, Mexican Gangster. Marque de vêtements, j'ai le barbu qui est arrivé aussi. Chafa, c'est toujours ici. Voilà. Et je suis toujours dans la salle de HIB, la fonderie, mes partenaires. Body Tempo, toujours là où je m'entraîne. Et merci à eux tous et à tous ceux que j'ai oubliés, mon médecin, mon kiné, Jafari et mon super attaché de presse. Nickel de partir.